اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Sur d'une sœur également qui demande, حفظكم الله أجمعين, qu'Allah Ta'ala nous compte tous parmi ses serviteurs qu'il aime. Cheikh, min fadlikum, pouvez-vous réexpliquer ce que veut dire Allah? Wa jazakum Allahu khaira wa barakallahu fikum. نعم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم c'est un nom propre, c'est pas comme ilah qui veut dire Dieu. C'est pour ça que nous quand on dit Dieu, Dieu, on ne dit pas Dieu, on dit Allah avec son nom comme ça. Ou alors on dit notre Dieu c'est Allah, là un nom. Pour les autres il n'a pas de nom, ils ont un Dieu comme ça, des dieux, ou alors des noms qui se sont inventés eux. El Mouhem. Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu tout à l'heure, ça veut dire Ma'louh. Ilah, ça veut dire Ma'louh. Ma'louh. Ma'louh, ça veut dire qu'on adore, l'adorer. Naam. Et c'est son plus beau nom. Allah Ta'ala a beaucoup de noms. Combien? Seul lui, il sait combien il a de noms, de bons noms. Naam. Tous ces noms, naam, le plus beau et le meilleur de tous ces noms, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est son nom. Allah. Et tous les autres noms gravitent autour de ce nom Allah. Allah. Naam. Donc, voilà en résumé ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire l'adorer. C'est un nom propre. C'est l'ilah qui veut dire adorer. Ma'louh. Quant à Allah, c'est un nom propre. Allah azza wa jal est son plus beau nom. Tfadlal.